What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les pas les Breaking News, mais pour une vidéo My Life. D'ailleurs là en fait j'ai eu tellement l'habitude de dire pour les Breaking News et tout que je me suis trompé, on se retrouve pour une vidéo My Life où je vais vous raconter une petite scène. Mais avant je tenais encore de vous remercier de votre activité sur ma chaîne. Et surtout en fait du nombre de voilà de personnes qui commentent sans insulter, sans ça fait plaisir, tu vois, ça fait extrêmement plaisir. Et mon but là vraiment dans mes vidéos My Life, c'est vraiment de rester naturel. Alors juste avant de commencer débuter ma vidéo, je prends mon smartphone. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un téléphone? Ça, c'est mon téléphone, c'est un Wiko. C'est pas un smartphone, hein, c'est un téléphone très basique. Voilà, on va pas éterniser là-dessus. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui me casse la tête? Faudrait que je change, d'ailleurs, je me prenne un smartphone. Parce que tous mes smartphones, chronologiquement, ont cassé ou ont subi des suicides. En fait, ils ont volé en l'air suite à des mauvaises actions de ma part. Ou alors, carrément, par erreur, hein. Je le fais tomber ou des trucs comme ça et puis il se casse. En gros, moi, je vais juste vous dire. Avant, par exemple, la jalousie, comment on traite la jalousie? C'est-à-dire que là, par exemple, je parle à ma copine. Parce que oui, j'ai une copine. Et tout simplement, elle me dit « Oui, mais faut pas t'en faire pour ce monsieur et tout. » Je vais vous lire exactement ce qu'elle m'a envoyé. On va rigoler un peu. Je vais pas citer de nom et tout. Donc, elle me dit « Super, mon cœur, blablabla. » Mais je t'ai dit, quand t'es avec lui, on dirait quand je suis avec lui, donc on dirait une meuf et tout, sachant que c'est un homme. Et moi, je vais tout simplement lui répondre en exclusivité sur YouTube. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein. J'avais juste envie de vous raconter, enfin de vous faire un petit truc comme ça, assez drôle. Je vais lui raconter, oui, mais tant que c'est un homme avec une saucisse, vous m'avez compris. Je parle vraiment comme ça, hein. Avec une saucisse. Tant que c'est un homme avec une saucisse, eh bien, je suis jaloux. J'allais dire ça me déplaît, mais après les gens ils vont me dire ouais mais t'es un peu parano, elle a le droit de parler à des mecs, ça je sais. Mais voilà, je sais pas si vous allez le voir sur l'écran. Non, c'est tellement merdique mon téléphone. Et puis bon, non ma webcam ça va, elle passe. Bref, aujourd'hui on va parler d'un petit truc parce que bon, le temps passe. On va voir si elle va me répondre. Il va vibrer, donc vous allez sentir la vibration. C'est juste un petit truc comme ça, hein. Si vous voulez que j'arrête de faire ces petites entrées comme ça, vous me le dites tout de suite. Nous allons parler de quelque chose qui s'est produit il y a environ 3 ans. 3 ans, parce qu'en fait, il y a 3 ans, moi, avant, j'étais en général, en lycée général, que je suis passé donc en lycée professionnel suite à de nombreux soucis. Et donc, c'était un petit défi que je devais réaliser. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui a marqué pas mal de personnes dans la classe, puisque ça m'avait filmé ce moment-là. Je peux pas vous le montrer parce que c'est en fait maintenant il y a pas mal de soucis au niveau des enregistrements et tout, enregistrer au lycée et tout, je sais pas si vous le savez mais on n'a pas le droit. Et en plus se distribuer sur YouTube et tout, ça peut créer des problèmes. Malheureusement je peux pas vous le montrer, mais en gros c'était un défi que je devais réaliser. C'était le fait de faire un coma, faire semblant pendant une minute, m'évanouir et tout. Il y en a qui peuvent me dire et tout c'est stupide et tout, mais à l'époque oui j'étais un peu stupide quand même. Et c'était un défi que je devais réaliser en cours de maths. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'ancien prof de maths, enfin dans la même année, ils ont changé de prof de maths parce que l'ancien prof de maths, il a fait une dépression, un truc comme ça. Donc il est parti et puis on avait un nouveau prof et je voulais lui faire une sacrée blague. C'est-à-dire qu'on était, je crois, en pleine équation, c'était à double inconnu si je me trompe pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que mon défi, c'était pendant une minute de m'évanouir, de me taper la tête super rapidement et puis de façon très forte contre la table pour que ça fasse un énorme bruit et de rester pendant une minute comme ça en mode évanoui. Donc c'était vraiment un moment assez compliqué parce que ça se trouve le prof aurait pu faire une crise et puis tout d'un coup appeler les urgences ou un truc comme ça. Mon défi c'était une minute et en échange j'avais absolument rien, hein. C'était juste voilà une question de stupidité, mais à la fois I am a gentleman, you know why? Parce que tout simplement j'étais amoureux à l'époque d'une femme. C'est bien, tant mieux pour toi, parce que si ça aurait été d'un mec, bon après je critique pas, hein, mais non mais c'est pour moi, hein. bon après voilà, bon bref j'étais amoureux, je précise, d'une femme et qui à l'époque elle était intéressée par moi, oui, mais voilà j'avais envie en gros de cette énorme classe, hein. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette connerie là, c'était en fait un peu pour l'attirer, donc quelque part c'était un défi un peu aussi comment dire romantique, tu vois, c'est vraiment pour attirer son regard, la faire rire et puis après hop
Tu l'as pécho. Sauf que ça ne s'est pas produit comme ça. Mais bon, bref. Donc, en gros, j'ai commencé ce défi-là. C'était au bout de 30 minutes de cours. Je me suis tapé la tête très fortement contre la table. J'ai du mal à parler. Waouh. Et donc, je me suis tapé la tête très fortement contre la table. Bam. Et puis, tout d'un coup, le prof était choqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la classe, il y avait certaines personnes qui savaient que j'allais faire ce défi-là. Donc, les personnes qui savaient que j'allais faire ce défi-là, on va dire qu'ils ricanaient dans leur coin, sachant qu'il y avait d'autres personnes qui ne savaient pas du tout. Et ces personnes-là qui ne savaient pas du tout, eh bien, ils étaient choqués. Tout d'un coup, ils étaient en train de travailler, se poser des questions. Parce qu'en général, on fait ça. Alors qu'en professionnel, c'est on regarde ailleurs, on écoute de la musique, on fait n'importe quoi. Bon, général. Réalise un peu, bon c'est pas bien, je sais c'est pas bien, mais bon bref, les gens ils se posaient des questions, tout ça en maths, et puis d'un coup ils se retournent vers moi parce que j'ai vraiment tapé la porte de façon très forte, la table, ce serait bien de ne pas confondre Christopher, mais c'est pas grave, une porte et une table ça se ressemble, d'ailleurs je me suis fait mal en fait en faisant ça, mais bon ça c'est un petit truc, et donc en fait je me suis évanoui, voilà. J'ai commencé, donc j'ai compté dans ma tête, et puis mes potes rigolaient, certains potes, ceux qui savaient, rigolaient, la femme dont je kiffais et tout, rigolait aussi, je pense qu'elle me fixait, après je sais pas, parce que j'avais la tête contre la table, les yeux fermés pour 20 secondes. Donc les minutes c'est cool, les secondes c'est cool, alors les 20 premières secondes, le professeur n'était pas, on va dire, dans un grand stress, il m'appelait, il disait Christopher, Christopher. Au bout de la 30-40e seconde, je m'en rappellerai toujours, il commence à se rapprocher de moi, et puis il commence à me secouer en disant, est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est pas une blague, s'il te plaît, enfin voilà, parce que moi sinon j'ai mal le prendre en fait. Et puis au bout de la 50e seconde, soit dans les 10 dernières secondes, et ces 10 dernières secondes c'est un truc de fou, pourtant des secondes ça se passe assez rapidement, et bien là ça s'est passé d'une façon super lente, ces secondes là c'était limite des minutes, et ces 10 dernières secondes en fait il commençait à vraiment stresser et tout, ça se voyait, enfin ça se sentait au niveau de sa voix, il commençait, bon le pauvre c'est vrai que c'était pas bien de ma part. Mais voilà, j'ai fait ça, et donc en gros, il commençait à trembler un peu, ça sentait parce qu'il commençait à me toucher et tout, et puis tout d'un coup, là, il commençait vraiment à stresser, il restait un truc après, on va dire 5 secondes, et donc il commençait à me relever comme ça en fait, parce que j'avais la tête contre la table, la table, excusez-moi. J'ai cru que j'avais dit porte, non mais non. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a relevé tout d'un coup, et puis moi j'avais la tête comme ça, puis je comptais, il restait 5 secondes, un truc comme ça, et puis après j'ai rouvert les yeux et tout. Mais en fait c'est ce moment là, il s'est passé vraiment d'une façon telle que là je l'ai très mal expliqué en vidéo, et que c'était à hurler de rire, que ça m'a filmé, une amie à moi m'avait filmé, et elle m'avait montré la vidéo, c'était un truc de dingue. Parce que déjà juste le bruit que je fais en tapant ma tête contre la table, et puis après le prof qui commence à s'inquiéter et tout, il commence un peu à bouger autour de moi, me lever et tout, en état de stress, le pauvre professeur, en plus je crois que c'était sa première année, et bon il a eu sa première année avec Christopher Morfin, donc à laquelle voilà il a eu cette chance d'avoir participé à des trucs comme ça. Puis après donc quelques jours après, j'ai pas dit que c'était du fake hein, j'ai fait semblant après que oulala, en fait qu'est-ce qui s'est passé après, j'ai fait semblant en fait que voilà je me suis réveillé et tout, et que ouh mais qu'est-ce qui m'arrive et tout, j'étais dans le coma, j'allais aux toilettes pour faire semblant, et en fait c'était un abonné à moi, sachez-le, c'était assez drôle, c'était un abonné en fait, ce professeur de maths qui souvent après me demandait, bah d'ailleurs il sait pas que j'ai fait semblant, donc peut-être qu'il regarde cette vidéo là, je pense pas, mais voilà en fait, donc tout d'un coup j'ai su quelques jours après, il est venu vers moi et m'a dit comme quoi il regardait mes vidéos et tout, et qu'il aimait bien surtout mes breaking news à l'époque, et ça m'a fait extrêmement plaisir, donc j'avais un professeur qui me suivait sur YouTube. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce qu'elle m'a répondu en 9 minutes? Non, elle a même pas été capable de me répondre. Non, bon, on va mettre le téléphone là. Voilà, merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Si vous voulez que je continue cette série, eh bien, dites-le moi dans la barre des commentaires. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, même à demain. Peace out.